Bonjour Frédéric Pinier, là, pareil. Oui, ah bah quand même. Pourquoi quand même? Je m'attendais à ce que le fameux Frédéric Pinier me rappelle. Oui, ben bah, bon. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez écourté, ben je me permets pas de vous tutoyer. Moi je me permets. Bon, parce que je revois que là j'étais en train de faire autre chose. Je revois que tu te permets de me traiter de Charlot, donc moi je te tutoie pour te montrer le peu de respect que j'ai à ton endroit. Bon, alors. Tu comprends? Alors, moi j'ai mieux à proposer. Je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre avec vos arguments, ok? Mais j'ai déjà fait ça. Non, mais on l'a fait de manière très décousue dans un autre cours précédent. Non. On va faire beaucoup plus court. On l'a fait de façon construite. Non, pas du tout. J'ai entendu tes arguments quand tu étais un petit peu plus poli que tu ne l'es quand tu reviens sur Internet. Et je les ai démontés les uns après les autres. Non, alors ça, quant à répondre à la question de la propriété mondiale, je suis en train de répondre là justement, à la propriété mondiale des ressources naturelles, une propriété mondiale qui appartient à tous, une ressource publique, c'est un petit peu comme le trésor public, tu vois, ça appartient à tout le monde, mais il n'y a qu'une seule personne qui le gère et tu n'as aucun droit dessus. Ah, et c'est qui cette personne? Attendez. C'est ça, et cette personne s'appellerait pour toi ce que c'est la dictature écologique, avec des gens qui seraient suffisamment, on va dire, éclairés pour pouvoir savoir quel est le bien-être de l'humanité et quel est l'intérêt général, alors que nous, pauvres idiots, nous serons tous là à subir vos dictates. Donc c'est un petit peu ça ton principe. Oui. Moi je te dis que une propriété publique, ça n'existe pas. Ou alors ça n'existe qu'en théorie. Un intérêt général, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en théorie. Il y a toujours des gens qui vont dire qu'ils représentent pour eux l'intérêt général. Regarde le principe des associations. Les associations sont subventionnées, soi-disant, pour faire le bien de tous. Elles touchent de l'argent que tu payes par tes impôts. Et t'as rien à dire là-dessus, parce que c'est pas toi qui a décidé si ces associations étaient positives ou pas. C'est quelqu'un qui a décidé à ta place. Et tu vas dire finalement que c'est très bien parce que tu as voté pour ce monsieur, ou même si tu n'as pas voté pour lui, c'est le principe de la démocratie, il décidera à ta place. Et ben justement, je suis contre la démocratie pour cette raison-là. C'est pas parce que la majorité décide de quelque chose que c'est forcément bon. Et c'est pour ça que moi, je suis pour une dictature écologiste qui est, elle, basée sur des chiffres et qui concerne les ressources de la planète. Voilà. Mais et qui doivent être partagées. La dictature, c'est jamais la solution. Ah, ben, et alors, justement, parlons-en, débattons-en. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que notre démocratie ressemble un petit peu à une dictature. Alors, effectivement, il y a des gens qui prendront des décisions à ta place et qui gèrent le bien commun. Mais qu'est-ce que tu fais contre ça, à part manifester avec 3-4 gus dans la rue? Tout le monde s'en fout. Alors, vous êtes marrant, parce que vous dites que mes arguments sont bidons, hein, mais moi, quand je vous demande de répondre à des questions précises, vous ne répondez pas. Attendez, je repose la question très précisément. Est-ce que c'est normal que 20% de la population mondiale consomme plus de 80% des ressources? Eh bien, écoute, ça, c'est un argument que je connais, je l'ai entendu dans la bouche des gens d'attaque et compagnie. Oui. Regarde, ce dont tu me parles, là, c'est la répartition. Oui. D'accord. Oui. Le partage, oui. La répartition qui est inégale. Mais alors, le problème qui se pose en même temps, on pourrait vouloir une répartition égale, ça tout à fait, hein, bien sûr, on pourrait le vouloir. Mais la croissance des pays, le PIB de chacun des pays, tu vas me dire, par exemple, qu'une entreprise comme General Motors, à sa belle époque, avait un PIB qui était aussi important que celui d'un État comme le Belize. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, derrière? Ça veut dire que la production de richesse, eh bien, elle se fait dans 20%, pour 20% de la population. Non, c'est pas de la production. C'est pas de la production de richesse, c'est du pillage de ressources. Mais attention, faut pas dire n'importe quoi. Quand un artisan ne subit pas la prédation comme en Afrique, où tu sais, je sais pas si tu connais un peu l'Afrique, mais quand tu produis quelque chose en Afrique et que dans certains pays, hein, pas tous, hein, y en a qui se développent, et que tu comptes tout ce que tu devras payer comme impôt, tu te rends compte que tu payes plus d'impôts que ton chiffre d'affaires. Je connais très bien. C'est ce qu'on appelle de la prédation. Et donc dans ces pays-là,
pays-là, dans ces pays-là qui forment les 80% des pays qui ne produisent très peu, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pauvres. Mais ils sont pauvres grâce, non, mais stop, stop. Grâce au capitalisme ou grâce à l'État? Non, stop. Déjà, voilà, vous parlez, vous partez de sophisme. Mais on non, ne produit, mais c'est facile. On ne produit pas. On ne répartit pas. Non. Simple. Théoriquement, quand tu veux manger quelque chose, il faut déjà que tu le produises ou que tu produises quelque chose que tu vas échanger avec quelqu'un d'autre. Alors, ça s'appelle le capitalisme, ça, d'une certaine façon. Oui, eh ben, je combats le capitalisme. Bon, mais tu penses, et là on va revenir à Marx, hein, tu non. penses que c'est non pas à chacun selon ses mérites, mais à chacun selon ses besoins. Non, je combats également Marx et le communisme, parce que ils ont prouvé leurs échecs. Bon. Ceci dit, attention, Staline, Lénine et compagnie n'ont pas appliqué vraiment les principes marxistes. Bon. Ça aussi, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je demande de répondre à ma question, de quel droit 20% de la population mondiale consomme plus de 80% des ressources. Je vais préciser. Les 20% de la population mondiale, ça a un petit peu bougé quand même. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler des BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine. On a quand même des pays émergents qui sont en train de se développer. Il faut savoir que parmi ces 80% de la population mondiale qui crevait de faim il y a quelque temps, tu peux mettre, mettons en 1950, tu pouvais mettre la Corée. La Corée crevait de faim. Aujourd'hui, il y a une Corée qui fait partie des 25%, c'est pas 20, qui fait partie des 25% qui consomment ce qui est produit parce que c'est la Corée du Sud. Mmh. Et la différence entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est que tu as parmi ces deux pays, un pays qui a fait le choix d'un système de production capitaliste. Oui. Et l'autre qui a fait le choix du communisme, oui. Sachant, comme je te l'écris, qu'en Corée du Nord, les élites, c'est-à-dire le pouvoir politique, se rémunèrent sur le détournement de l'argent qui est lié à la famine de pratiquement 500 000 personnes qui sont mortes de faim en Corée du Nord. Alors, tu pourrais me dire, comment se fait-il que la Corée du Sud, si tu prends, on va prendre la péninsule coréenne, comment tu expliques que dans la péninsule coréenne, ce sont les Coréens du Sud qui consomment 90% des richesses qui sont produites dans toute la Corée. Parce que la Corée du Sud produit 90% de ses richesses, tout simplement. Alors, non, elle ne produit pas, elle pille. C'est ça le sophisme de départ. La Corée du Sud pille la Corée du Nord. Vous confondez produire et voler. C'est du vol. Quand on puise du pétrole et qu'on le crame comme on le fait, c'est pas de la production, c'est du vol. D'accord. Alors écoute-moi bien. Le pétrole, admettons qu'on ne soit jamais passé à une énergie qui fonctionne à partir d'un déchet qui s'appelle le pétrole. Je te rappelle que le pétrole, c'est des hydrocarbures. C'est un déchet qui est un déchet de carbone. C'est une richesse, c'est pas un déchet. C'est un cadeau de la nature. C'est pétrole. Un cadeau de la nature qui a stocké pendant des millions d'années pour nous donner cette richesse. Continue. Le pétrole, c'est un déchet qui a trouvé... Faux. Qui a trouvé, mais si, le pétrole, c'est un déchet qui a trouvé à être utilisé quand justement le moteur a été développé et l'énergie carbone a été développée par des créateurs, c'est par des inventeurs. Mais c'est des pays du Nord. C'est faux. Le pétrole est une richesse, c'est un cadeau de la nature, c'est de l'énergie liquide. C'est stupide de dire que c'est un déchet. Arrête tes bêtises. Le pétrole, c'est bien sûr un déchet naturel qui ne trouve un débouché que grâce à la technique. Non. Si on n'avait pas inventé les moteurs à explosion, le pétrole, ça serait resté un déchet qui aurait pollué des nappes d'eau dans les pays où on en trouve, justement. Non, mais vous plaisantez. Le pétrole, Le pétrole, maintenant, tu sais très bien également que les sociétés pétrolières dans les pays du Golfe et également au Venezuela ont été nationalisées et que le pétrole, il appartient justement à ces pays qui l'exploitent. Mais il doit pas appartenir à des pays, il doit appartenir à l'humanité. De quel droit
de quel droit une richesse naturelle, que ce soit l'eau, l'air ou le pétrole, appartiendrait à des gens privés? Il appartient à celui qui l'exploite. Alors non. Si tu as envie de t'installer au Venezuela, de creuser ton petit puits et de sortir ton pétrole, tu diras que c'est à toi. Non, et tu pourras en boire avec ton thé ou ton café. Oui, ben justement, non. Voilà. Il est hors de question que des richesses naturelles appartiennent à des privés ou des États, parce que c'est la même chose. Les richesses naturelles n'ont pas appartenir, comme tu dis, à des privés ou des États, ils appartiennent à ceux qui prennent la peine de les exploiter, de trouver la technologie pour les utiliser. À ceux qui prennent la peine. Non, écoute-moi bien, tu me dis que l'eau appartient à tout le monde. Je suis d'accord, l'eau appartient à tout le monde. Mais comme je te l'ai dit, va boire l'eau du Rhône, tu vas être malade. C'est pas l'eau que tu payes, c'est le travail de l'homme qui vient dépolluer l'eau pour le rendre consommable pour tous. Je suis tout à fait capable de prendre de l'eau du Rhône et de la dépolluer moi-même et de la boire. Bon, t'en es peut-être capable, mais ça va te coûter beaucoup plus cher que la facture d'eau que tu payes à la Lyonnaise ou à quelqu'un d'autre. C'est un autre débat. Vous ne répondez pas. Ça va te prendre du temps. Je veux dire, on vit dans une époque où il y a une division du travail. Tu travailles pour gagner de l'argent et avec cet argent, tu achètes des choses. Maintenant, si tu veux subvenir tout seul à tous tes besoins, tu peux plus travailler. Tu comprends ça? Vous ne répondez pas à mes questions. Vous détournez le débat. De quel droit 20% de l'humanité se permet de piller plus de 85% des ressources naturelles de la planète? 85% maintenant. C'est plus de 80. C'est plus de 80, c'est certain. Bon, pas les ressources naturelles. Je dis que l'on produit quand on a la technologie pour produire. Cette technologie a fait l'objet de transferts de technologies dont ont bénéficié en partie les pays du Sud. Et crois-moi, je parle de l'Afrique et d'autres choses, c'est que je connais des gens sur place qui produisent également et qui ont arrêté de produire, comme bientôt on arrêtera de produire en France, parce que la France, ça fera partie d'un de ces pays du tiers-monde, puisque quand tu produis et que tu n'arrives pas à tirer des gains de ta production, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de produire et tu attends la répartition. Il y a une optique complètement différente entre la production qui est la création de services et de valeurs pour satisfaire les besoins des autres, puisqu'on est dans une division du travail. Tu travailles pour satisfaire les besoins des autres. Les autres vont ensuite te rémunérer pour ton travail, ce qui est normal, et ce qui te permettra à toi de satisfaire tes besoins. Il y a des gens dans des pays pauvres qui ont envie d'entreprendre, et tu connais peut-être le système de microcrédit qui s'est développé, tu as peut-être lu le bouquin de Mohamed Younous qui est très bien là-dessus, qui propose à ces gens des pays pauvres qui ont peu de moyens de créer des richesses, de manière à augmenter les richesses dans ces pays. Arrêtez, Mohamed Younous est quelqu'un qui est né au Bangladesh, qui a permis à des gens au Bangladesh de développer une économie. Et si tu regardes maintenant les taux de croissance dans des pays, dans certaines zones d'Inde ou du Bangladesh, tu vas te rendre compte que ces pays-là ont des taux de croissance qui sont supérieurs à la France, ça serait difficile de faire pire entre nous, et donc ces pays-là sont en train de s'en sortir. Stop. Développer une initiative individuelle. Non, voilà. Stop. Je rappelle que la France, l'Europe, consomment l'équivalent de 2,5 planètes. Tous les politiques qui parlent de croissance sont des criminels en puissance pour l'humanité à venir. Alors, la croissance n'est pas nécessairement une source de pollution. Bien sûr que si, quand tu développes une micro-entreprise au Bangladesh avec une personne qui va faire du textile avec une machine à coudre et tu lui permets d'investir dans une machine à coudre, le textile qu'elle utilise ne va pas augmenter son empreinte écologique. Hors sujet. Ma question. Par contre, quand tu développes une centrale à charbon en Chine parce que t'as pas les moyens de faire autre chose, et parce que t'as pas la technologie, heureusement maintenant les Chinois ont la technologie, mais dans les pays pauvres, on développe des centrales à charbon, là l'empreinte écologique, elle va largement augmenter. Ce problème d'empreinte écologique peut se résoudre de façon technologique. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi, et je te pose une question qui est importante. Non, je ne répondrai pas à tes questions tant que tu n'auras pas répondu à la mienne. De quel droit
de quel droit 20% favorise l'énergie. Pourquoi est-ce que l'État favorise l'énergie pétrole pour les voitures aujourd'hui? Pourquoi est-ce que des gens qui ont voulu faire marcher des moteurs avec des oléagineux, la question se pose, mais c'est vrai qu'on ne résoudra pas forcément le problème comme ça, ont été empêchés de le faire? Pourquoi est-ce qu'on empêche le développement de moteurs à eau et d'énergie alternative? Tout simplement parce que l'État ne touche pas sa taxe dessus, qui s'appelle la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et la dégradation de la planète, comme tu dis, est une source de richesse pour l'État. Ah ben, non mais c'est ça qui est catastrophique. Qui est catastrophique. Bon, alors, je note, et tout le monde pourra noter puisque ce débat est enregistré, je note que vous ne répondez pas à ma question essentielle qui est de quel droit, je dis bien de quel droit, 20% consomme 80, plus de 80% des ressources. Vous n'avez pas répondu. Mais il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ah non, je suis désolé, tout le monde pourra juger. Bien compris que j'ai répondu et que je t'ai donné des exemples factuels. Absolument pas. Je suis en train de te répondre en te faisant ta théorie. Non, je suis en train de te dire qu'il y a effectivement des entreprises qui polluent. Ça, je ne te dirai pas le contraire. Je te dis qu'il y a des conglomérats d'État qui polluent. Les entreprises les plus polluantes, on pourrait parler d'EDF, par exemple, mais je ne voudrais mettre personne à l'index, de Rhône-Poulenc, qui à l'époque où l'entreprise était nationalisée, puisque maintenant on a trouvé des méthodes alternatives qui impliquent que les entreprises polluent un petit peu moins, eh bien ces entreprises polluantes, c'est souvent des entreprises publiques. Non mais, je m'en fous qu'elle soit... écoute-moi bien. Non, qu'elle soit publique. Tout ce qui est public est corrompu. Alors, pour commencer, Mais quand tu me parles de la pollution et de l'exploitation abusive des ressources naturelles, et que tu me dis que c'est un bien public, c'est considéré comme un bien public. Non. C'est des ressources. C'est des ressources. Ce sont les États, si tu regardes par exemple les contrats qui ont été passés, les contrats pour l'exploitation des ressources naturelles, c'est pas des contrats entre personnes privées, c'est des contrats entre États qui donnent l'autorisation. Mais bien sûr, regarde l'affaire du pétrole de la mer du Nord, et la bagarre qu'il y avait entre la Grande-Bretagne et la Norvège. Le tout était de savoir à quel État appartenait le pétrole de la mer du Nord et avec qui les entreprises publiques allaient pouvoir signer des contrats. Mais les États sont des mafias privées. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les États occidentaux sont des mafias privées où des gens comme Vinci et Bouygues et compagnie sont capables d'être beaucoup plus puissants que nos politiques. Hein, on en a la preuve avec Notre-Dame-des-Landes où le groupe Vinci est derrière ce projet d'aéroport de Nantes et il est plus puissant que n'importe quelle politique. Alors, et on a le même problème à Lyon avec ce projet mégalomaniaque stade de l'OM. Personnellement, Vinci et les politiques, regarde un petit peu, renseigne-toi, regarde un petit peu les politiques. Ils ont en général Selena. Ils ont pantouflé. Qu'est-ce que ça veut dire pantoufler? Ça veut dire que quand ils sont pas au pouvoir, ils travaillent dans des grandes sociétés privées ou publiques. Ne dis pas que les entreprises publiques sont plus puissantes que des hommes politiques. Si. Ce sont les mêmes. Non, mais je suis désolé. Ce sont des entreprises privées qui mènent la danse. Et les politiques ne sont que des larbins qui exécutent leurs ordres. Mais non, regarde. Soit de droite ou de gauche, nos politiques, quand ils sont plus réélus, soit ils restent dans la fonction publique, soit ils vont faire ce qu'on appelle du pantouflage, c'est qu'ils vont travailler dans des grosses sociétés qui font du lobbying. Bien sûr, on est d'accord, c'est toujours des sociétés privées, c'est Goldman Sachs, c'est Bouygues, c'est Vinci, et c'est ces gens-là qui gouvernent, l'Occident. Et c'est inadmissible. C'est pas ça le capitalisme. Bon, c'est quoi le capitalisme? Non, le capitalisme, c'est l'initiative individuelle. Ah oui, c'est sa petite boîte et qui essaie de survivre entre les taxes et les charges sociales. Non, c'est faux. Bon, écoute, on va pas aller plus loin là parce que ça mène absolument à rien. T'as eu ton débat, t'es content, t'en fais ce que t'en veux. Oui, je vais le publier. Tu as rien contre, je le publie. Sur YouTube, par exemple, t'as rien contre. Allô ?